La France déclare avoir tué le chef d'Al-Qaïda au Maghreb, Abdelmalek Droukdel, lors d'une opération au Mali. La ministre française des Armées, Florence Parly, a déclaré que plusieurs de ses proches collaborateurs avaient également été neutralisés. D'origine algérienne, Abdelmalek Droukdel est comité directeur d'Al-Qaïda. Il commandait l'ensemble des groupes djihadistes d'Afrique du Nord et du Sahara. Paris affirme également avoir capturé un haut commandant du groupe État islamique. La France compte plus de 5 000 soldats déployés au sein de sa force anti-djihadiste Barkhane dans la région du Sahel. Le Mali peine à contenir une insurrection islamiste depuis 2012. Le conflit a coûté la vie à plusieurs milliers de militaires et de civils.